Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Mountain Blade. Alors, quelques mois se sont passés, je continue d'essayer d'arriver à un point notable et intéressant pour vous, c'est-à-dire le point où on va passer le clan au niveau 1, ce qui est toujours pas le cas, hein. Mais il nous manque pas grand-chose. Il nous manque 6 de renom qu'on va essayer d'avoir dans cet épisode. Une fois que ça se sera fait, on sera considéré comme à peu près assez fiable pour devenir vassal de quelqu'un, et ça c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a à vendre, etc, etc. On a de l'Iron Ore, toujours ici, qui se vend plutôt bien. On est plutôt trop chargé. On a plutôt pas assez de chevaux pour se balader tranquillement. Alors, on peut faire ce genre de truc. On va acheter des chevaux. Pour arrêter de galérer et de se traîner le cul. On va vendre du matériel naze. L'iron or à 65, on avait dit que c'était pas... C'était pas mal. Et on va regarder ce qu'on peut faire. Hop, hop, hop. Ouais, typiquement ça là, ça s'achète 48 à Epicrotea, ça se vendrait 95. Voilà quoi. Mais on peut les acheter à 48 à Jalmaris, donc on va pas les acheter là, de fait. Donc il y a peut-être un convoi à faire entre Jalmatis pardon, et Epicrotea. Très intéressant à savoir. Alors lui, il a un problème avec une armée de porcheurs. Alors, laissez-moi regarder c'est quoi un porcheur. Probablement pas à avoir avec les cochons. Porcheur. Ah, des braconniers. Une armée de braconniers. Une armée de combien? Allons voir ça. Tiberius, ça faisait longtemps. J'ai entendu que, comment récemment, vous avez attrapé des bandits. C'est toujours une très bonne chose pour les marchands, effectivement. Besoin de quelque chose? Ouais, j'ai beaucoup de problèmes avec des braconniers. Il y a quelques années, j'ai investi en eux, en fait. Pour chasser pour moi dans les terres royales. Ah bah bravo, bravo mec. Donc j'ai lâché beaucoup d'argent aux autorités locales. Et même à certains nobles pour qu'ils leur laissent un passage. Et après, on a tous fait fortune. Par contre, ils ont profité pour construire une vraie armée. Et maintenant, ils chassent... ouais, ils marchent que pour eux, en fait. Ce que je peux faire. Écrasez-les. Allez à Phasos et tuez-les tous. Vous pouvez également envoyer vos compagnons et... un compagnon et 12 hommes pour le faire. Ouais, non. Je vais le faire, je vais le faire. Chaque nuit, il transfère un énorme un gros paquet de biens. Vers minuit. Entre dans la ville et chasse-les. Sois prêt à une très forte résistance. Ah, je suis pas prêt à une très forte résistance. Mais alors, genre, vraiment pas. On va quand même regarder où est-ce que ça se trouve. Phasos, là-bas. Bah écoutez, on va voir ce qu'on peut faire avec. Ah, des looters. 16, est-ce qu'on peut les attraper? J'ai combien de temps pour faire cette quête déjà? J'ai 20 jours. Je pense qu'il faut pas qu'on... comment dire... qu'on se laisse aller à la... au stress. Il faut qu'on soit sûr de nous. Oula! Ils sont regroupés, ils sont donc 29 et on est 18. Bah écoutez, je pense que ça passe, moi. Je pense que ça passe. Je pense qu'on est un peu plus équipés qu'eux. Bof. Peut-être pas exactement. Allez. Je vais m'occuper de ces traînes savates moi-même.
du moins pour commencer. Aïe, j'ai pris un caillou. Ils sont très forts en lancer de cailloux. Ok, ok, bah écoutez. Pour l'instant, on arrive à balancer quelques coups de lance. Je n'en tuais personne, mais je balance des coups de lance. Ça me semble quand même une bonne chose. Ah ouais. Je peux faire ça toute la nuit les mecs. Sauf que mon cheval lui non. Ouais, ouais, là il faut y aller. Là il faut y aller. Mon cheval a pris vraiment très très cher. En gros ce qu'il faut que je fasse c'est que je scinde leur groupe en deux. Il faut que j'en attire certains parce qu'ils sont trop nombreux pour mes troupes. C'est pas mal ça. Ça c'est pas mal non plus. Raté. Je pense qu'on a pris une bonne option là. Je commence à prendre le coup de main quand même, hein. Ça va un peu mieux. Raté. Lui il aura fui, c'est pas très grave. Bon, bah du coup c'était compliqué, hein. C'était très compliqué. On a perdu des hommes, évidemment, dans cette bataille. Ce qui me fait penser qu'on va se reposer avant d'aller chercher les autres. Ok, bah écoutez. Des biens divers et variés qu'on pourra vendre. On laisse ça bien éclater. Jamaltis. Bien. Alors c'est ici qu'on m'a dit que il y avait du commerce sympa à faire. Avec ces trucs là. 43 ça se vend ici. Je vais tout prendre. Juste tout. Comme ça, ce sera fait. Super, alors, vous avez des chevaux? Oui, mais cher, alors on va pas les acheter. Donc, on est sur ces trucs là, c'est Hyde. Je prends le stock. J'en prends 20. 19. On est full, on peut pas en prendre plus. Bien. Et donc après, faut qu'on aille à
Epic Road CA ou quelque chose comme ça. Oh, un tournoi. Yes! Eh ben allez, on n'a pas fait de tournoi encore aujourd'hui. On va aller se faire casser la gueule. Ah, un cheval! Vous savez très bien que j'ai pas le niveau pour chevaucher ces trucs, allons! Soyons sérieux! Tiens. Ok. Ça va. Je suis avec un mec? Je suis pas avec un mec. Ah putain! Ah, lui, il est en armure complète, ce bâtard. Ah, il va être très dur à battre. Mais évidemment, je suis déjà qualifié pour le round d'après. Hein. Là, c'est un peu un bonus, on va dire. Yes! Yes, oui, Tiberius. Tiberius dans l'arène, attention. Ok, donc là on est vraiment sur du fight en mode. Ah putain. Voilà. J'espère sincèrement que mon allié va gagner. Yes! Ah bah yes! On les a eus! Sauf que lui, il va m'éclater maintenant. Ça se passe comme ça à chaque fois. Ça se passe comme ça systématiquement. Les mecs, ils sont beaucoup plus forts que moi. Trois dommages. Ok. Ah putain! Il est vif hein ce bâtard. Hein. Il fait des feintes en plus. Touché. 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 Non! Mon bouclier, putain! Putain! J'y crois pas! Le bouclier qui lâche, quoi! Bon, donc ça arrive comme ça de toute façon à chaque fois. On n'arrive pas à battre le dernier mec parce qu'ils sont super burnés. C'est pas grave. Alors, moi, j'ai une quête à faire ici. Et je dois aller à Epicrocea. Bon, on va le faire. Vu qu'on a 20 jours pour s'occuper de ces traînes savates et qu'on est blessé pour l'instant, ça sert à rien qu'on s'amuse à... Comment dire? Qu'on se fasse du mal. Non. Pas rentable, tout ça. Ouais, ça sert à rien qu'on se fasse du mal. On va à Epicrotea. Ah, ici on a une armée de quêtes. Ah, qui est rentrée dans la ville. Triste. On aurait encore un tournoi. Ah, j'ai mis regarder carrément. Pour un cheval, non, non, mais c'est bon. Je vais pas faire les tournois pour les chevaux parce que, bah, pff, voilà, on sait pas les utiliser.
On n'est pas spécialement doué pour ça. Donc on va éviter de se... Comment dire, de se focaliser là-dessus. Ici, ils sont prohibitifs, si je puis dire. Est-ce qu'on va les attraper, eux? On les a attrapés. Quelques ruffians sur la, comment, sur le chemin, ça nous fera pas de mal. Ah, nos troupes sont blessées, hein, c'est pour ça qu'elles sont pas toutes là. Allez, en avant. Maintenant que j'ai appris à me battre un peu, j'ai compris comment ça marchait. Ça va aller vachement mieux. J'aime beaucoup cette grande lance. Je vais voir si je peux pas trouver une lance, mais alors plus grande encore en fait. Raté. Touché. Bon allez. À l'attaque les mecs. Je pense que... Il y en a besoin. Cheval a pris un sale coup. Je rappelle qu'il a pas, il a pas d'armure, hein, ce cheval. Hein. On n'a pas de caparaçon. Ok. Parfait. Merci, merci. Ouais. Calmons-nous. Calmons-nous sur les looters pour l'instant, tant qu'on n'a pas récupéré nos hommes. Ouf. À ce prix-là, oui. À ce prix-là, on les vend. Hein. Clairement. Ok, on a pris tout l'argent du village en fait. Ok, on prend. Ah, vous avez pas de troupes à filer, c'est triste. Super triste. On va pas courir après ces mecs. Ça me semble pas très utile. Ah là là, y a rien à recruter. Et c'est vraiment dommage. Alors, une de mes priorités, ça va être d'augmenter mon leadership pour avoir plus de troupes. Parce que pour l'instant, c'est pas fameux au niveau des troupes. Ah oui, voilà, 103. Ah là là. Yes, on les a achetés la moitié de ça. Super. Opération. Vraiment. Vraiment super opération. Il n'y a pas de troupes ici par contre, hein, toujours. Ok, bah écoutez, ça c'est fait. On va retourner dans le sud, hein, en passant par peut-être les villages qui se trouvent là. On va continuer de chasser tranquillement. Ah, yes. Regardez, ici on a un petit groupe de 17. Je pense que ça peut être très rentable. Malheureusement, j'aimerais bien les envoyer en fait pour faire le boulot, mais les groupes qu'on trouve sont trop nombreux pour ça. Parce que les envoyer faire le boulot à ma place en fait, ça, comment dire, ça revient à augmenter mon leadership et c'est ce que je veux faire.
Sauf que pour l'instant, bah pour l'instant, c'est vraiment très dangereux de faire ce genre de truc. Donc je ne le fais pas, du coup. Allez, en avant. Attendez, c'est une rivière, ça. Ouais, donc pas en avant du tout. On va se mettre un peu plus loin. Voilà, pour pouvoir manœuvrer quand même, hein, on n'est pas des bêtes. Raté. Raté. J'en ai touché un. Je pense que c'est vachement plus pratique de tourner dans ce sens-là, en fait. Ah, ok, on en a eu un. On doit simplement faire gaffe aux mecs avec les fourches, qui sont en fait bah, les plus dangereux, pour nous du moins. Allez. Ah putain! Ils ont réussi à me mettre un coup, ces bâtards. Encore, j'ai pris un caillou sur la tronche. Voilà, j'ai une meilleure allonge queue, hein, normalement. Voilà, je suis pas censé galérer à toucher ces mecs alors que j'ai un cheval et une lance. Hein. Ok, d'accord. On va s'éloigner un peu. Ouais, ok, d'accord. Allez. Il est l'heure. Il est l'heure d'envoyer la cavalerie. Enfin, techniquement, c'est moi la cavalerie, mais on se comprend, c'est une expression. Pousse-toi. On est quand même vachement plus, comment dire, vachement plus efficace à poursuivre les fuyards qu'à poursuivre, comment dire, que les autres mecs. Ouais, c'est bon, ils ont été défaits. Ok. Bon, c'est pas si, c'est pas mal. On a perdu personne. C'est la bonne nouvelle. Yes! On a complété la tâche qui consistait à reconstruire notre clan. Et donc, nous sommes maintenant un clan de niveau 1, je crois. On va aller voir ça. Alors, j'ai un skill ici à prendre, en fait. Hein. Un skill, alors, je rappelle que ça va caper nos capacités. Donc, il faut clairement que ce soit ici qu'on le mette en place. Parce qu'on était capé au niveau du trade. Et évidemment, ça ne me plaît pas beaucoup. Ouais, ok, super. Bah ça c'est vraiment très très cool. Ah, et comme on est passé d'un niveau, en fait, on peut avoir beaucoup plus de troupes. Et ça c'est excellent. Vraiment, vraiment très, très excellent. On a largement de quoi manger. Oh, Iron Ore à 38. Ok. Bah écoutez, allons-y, hein. 38 vendu à Amitatis pour 68. Amitatis. C'est là-bas, Amitatis. Ça tombe bien, c'est là où on va. On va faire le tour des villages de la région. Recruter des troupes impériales et après on ira se mettre au service du roi ou de la reine. Hein. Ça me semble intéressant. Enfin, rien qu'ici. 90, il me le rachète combien le mien que j'ai acheté 38 là. Il me le rachète 71 lui. Ouf. Il y a plus d'argent à se faire plus loin. Ça c'est un château, ça nous apprendra rien. Il y a pas mal de looters dans le coin. J'ai l'impression que ce pauvre village a été... Oh,
c'est qui elle? Ah, une noble. Madame, enchantée. Pas sûr que je puisse vraiment l'aider. Est-ce qu'on va prendre quelques troupes ici, là? Des troupes qui sont pas de chez nous. Ah si, c'est des recrues impériales quand même ici. Même si ça a été capturé par quelqu'un d'autre. Bon, quand même. On recrute, on recrute. 66 ici, bof. C'est mauvais, hein. C'est pas ce qu'on souhaite, en tout cas. On va faire un peu d'argent comme ça, très vite fait. Est-ce qu'on peut racheter peut-être encore quelques chevaux? On achète un. Il me reste combien de temps pour cette quête? 14 jours. Je vais pas aller affronter une armée de ce qu'on appelle des porcheurs. Tant que j'ai pas plus de troupes que ça et que c'est pas nécessaire. Donc là on va recruter si possible. C'est pas possible. Pour plus tard. Direction Amitatis. Normalement, c'est là où on peut faire max de bénéf. Ah, yes. Donc ici, vous allez me racheter mon Iron Ore à 81. Ouais, 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 ouais. Ouais. Tiberius a gagné un level. Ah. J'aime cette idée. Et il y a un tournoi en plus. On regarde le level qu'on a pris et après on va faire le tournoi. Eh, j'ai gagné un point ici, c'est super. Ouais, je pense qu'il faut absolument que j'investisse en leadership. On est vraiment à la ramasse. Alors, on va joindre ce tournoi. Et que... Oh, ce corps pour un cheval, vraiment. Bon, bah allez. Nice. Mais on est chacun pour notre peau, c'est ça le plan? Enfin, je me suis éclaté. Bâtard. Oh. Ah, il y a Laria qui participe au tournoi avec nous en fait. Laria la Noire. J'aime bien l'idée de voir des compagnons en fait pouvoir comme ça participer. Faudrait que je regarde ses stats à Laria par contre. Ah, elle s'est ratée. Faudrait que je regarde ses stats parce que ça se trouve en fait j'ai pas upgradé mes compagnons et ça c'est un peu triste. Allez, faire l'effort s'il te plaît Laria. Je rappelle qu'elle se bat à l'arc normalement je crois. Oh bah... Ah, ma team est disqualifiée par contre. Bien joué Laria. Allez Laria, s'il te plaît. Gagne le combat. Ah non, elle a perdu en finale. Ah c'est super triste. Je suis deg. Je suis vraiment super deg. Il y a un truc qu'il faudra que je fasse aussi un moment, c'est que je vous montre comment marche le... comment dire... La forge. Sauf qu'on a 0 points en forge. Donc autant vous dire que... comment... Avant de commencer à crafter des trucs...
C'est pas pour tout de suite, quoi. On peut récupérer pas mal de biens, cela dit. Avec le matos pourri qu'on récupère sur les looters. En le faisant fondre, on va récupérer par exemple du fer, un peu de métal, un peu de bois. On va transformer ces trucs. Et après, on va pouvoir commencer à forger. Mais évidemment, j'ai aucune stat en forge. Et la difficulté de la moindre lame, qu'on peut assez aisément, comme vous pourrez le remarquer, personnaliser, elle va être beaucoup trop dure pour nous, quoi. Genre vraiment beaucoup trop dure. Alors, est-ce qu'on pourrait, je sais pas, maintenant qu'on a 8000 balles, acheter peut-être un truc sympathique? Pas un casque. Moi, ce que j'aimerais, c'est un truc mieux que ça, là, en fait. Parce que ça, je me le tire depuis le début, et faut quand même bien avouer que c'est quand même pas. Pas folichon. Ah, déjà, rien que ça, rien que ça, déjà, on est quand même largement au-dessus, hein. Je pourrais peut-être commencer à. Ouais, je pourrais peut-être commencer à me faire respecter si je commençais à avoir une armure impériale ici comme ça en. Comment dire. En écaille. Par contre, c'est 6000 balles. Alors l'important, c'est de ne pas perdre bêtement comment dire, sa capacité de faire des profits. Donc c'est-à-dire de ne pas se retrouver à zéro en pognon. Parce que quand vous êtes à zéro en pognon. Vous ne pouvez plus investir pour revendre plus cher, évidemment, hein, ça c'est un grand classique. Donc on ne peut pas se permettre de tomber à zéro en fric. Peut-être que j'achèterai ce genre de truc quand j'aurai atteint par exemple 10 000, pour pas que ça nuise trop à mes capacités d'investissement. Voilà. Alors j'avais entendu dire que dans les jeux précédents, on pouvait investir auprès de personnes ou investir dans des. Comment? Dans des. Commerces. Peut-être que là, on peut le faire aussi, mais j'ai pas encore trouvé comment. Donc ça, on verra plus tard. Bref, l'épisode ayant assez duré, je vous dis à très bientôt. Et dès qu'on aura recruté 2-3 personnes de plus, on ira faire cette quête ici pour s'occuper des braconniers. Allez, à bientôt les gens!